peut-être revendiquer de rester à l'encrier de Mauriac, et peut-être, on verra, la liberté de ne pas être hybride, puisque tout le monde s'associe en quelque sorte à cette grande parole qui est de celle de notre civilisation, il faut s'hybrider. Pourquoi faut-il s'hybrider? Première question, qu'est-ce que hybrider veut dire? Moi je suis attaché au mot et je vais tout simplement, sans fourriture, vous proposer de regarder un petit peu ce que le mot signifie. C'est un mot équivoque. C'est un mot qui évoque quelque chose qui est assez incertain, quelque chose qui est ouvert, qui est créatif, mais qui n'est pas sans paradoxe, sans écueil. Et la question, est-ce que nous nous lançons dans un débat sur l'hybridité, mais qu'est-ce que l'hybridité nous donne comme parole sur les actes que nous faisons? Voilà un peu le sens des remarques que je vais faire là-dessus. Nous sommes tous des hybrides. Oui, alors vous allez tous regarder sur vos téléphones, hybrider, deux choses qui se croisent, qui ont deux origines distinctes, et qui produisent quelque chose qu'entre nouveau, nouveauté, et améliorant. Ça, c'est la définition que j'emprunte à Alain Rey, le dictionnaire historique de langue française, et c'est une logique qui doit aussi nous interroger. En quoi le fait d'hybrider améliore? Alors j'ai pris comme repère, vous avez peut-être rencontré cette formule, nous sommes tous des hybrides. Alors je trouve que cette formule est plus représentative que la définition du dictionnaire d'Alain Rey, c'est qu'elle veut dire à la fois que nous sommes des êtres vivants et que le débat de l'espèce dans l'hybridation, c'est quelque chose d'important, il y a des spécialistes ici qui le diront mieux que moi, mais que aussi le rapport à l'espèce, on le retrouve en bout de réflexion, puisque en ce moment, certains ont écrit des lettres collectives en disant que l'avenir de l'espèce était en danger avec l'intelligence artificielle. Donc il y a une boucle là, sur la réflexion sur l'espèce. La deuxième signification, je crois, de l'expression, c'est que l'hybridation, c'est une œuvre humaine. Il faut quelqu'un pour germer le maïs, germer le blé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui va au-delà du naturel. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement une sorte de transgression qui est fondamentale pour l'hybridation? Et puis la formule, nous sommes tous des hybrides, ça veut dire aussi que nous sommes tous en train de vivre un moment critique sur lequel nous essayons de mettre des mots. Nous hybridons. Alors, de quoi il s'agit? Alors, effectivement, tous ces propos sont liés à l'évolution, à la maturité socio-technologique, en pleine évolution. Donc, nous sommes sur un terme qui est à la fois un moment critique, qui signifie un moment critique, et qui à la fois marque une évolution qui est de plus en plus accélérée. Je crois que les débats en feront largement l'état. Donc, au cœur des échanges, moi j'étais lecteur et surpris de ce que j'ai appelé finalement la nébuleuse d'hybridation. Je n'ai pas vu un discours qui n'utilise pas le mot hybride. Véhicule hybride, guerre hybride, travail hybride, IA hybride, agile. Tout le monde dit je suis hybride. Je viens de l'entendre encore récemment. Tout m'a demandé d'être libre, de ne pas être hybride. Bon, ça c'est autre chose. Mais il y a un parler d'hybridation. Alors, ce que je souhaite, puisque vous avez compris que j'étais un peu philosophe de formation, c'est qu'on prenne un pas en arrière et que lorsqu'on parle d'hybridation, on ne mette pas la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire que ce n'est pas une affirmation, c'est plutôt, je vous le dis tout de suite, une problématisation dont il s'agit. Le parler d'hybridation, c'est le discours contemporain qui se l'est accaparé. Derrière les mots, il y a une narrativité, une mythologie, dirait Barthes, un usage social. Bon, nous devons, ce que je puis dire, faire un usage modéré, je dirais critique, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais tout de suite au fait, que nous puissions assumer, en fait, que l'hybridation ne soit pas une sorte de réification d'un problème qu'on aurait résolu par avance et qu'il faudrait appliquer. Donc, en un mot, l'hybridation a toujours existé. Elle n'a jamais été aussi présente dans un environnement en mutation. Le changement est devenu la règle, la stabilité l'exception, mais quelle a été la logique? Alors, je fais deux séries de remarques, mais ça n'a pas beaucoup
de portée conclusive, c'est plutôt des remarques d'accompagnement. Alors j'ai trouvé, alors je suis allé voir les dictionnaires étymologiques, parce que je ne suis pas non plus un linguiste, je ne suis pas un biologiste, il y a trois éléments qui caractérisent la portée de la figure, mais aussi de la métaphore, c'est-à-dire que l'usage un peu déplacé dans sa signification. Hybrida, bon, ça c'est le plus simple. Qu'est-ce que c'est? C'est le mariage improbable du sanglier de la truie. Les choses, nous dit-on, sont faits de sang mêlé, que ce soit les éléments de notre culture, de notre expérience. On est d'accord. Alain Rey, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parle d'une origine paysanne et d'une pratique. S'il s'agit de problèmes d'élevage, dit-il, pour se nourrir au-delà du naturel, pour passer de la graminée au grain de blé ou au maïs, il faut que l'homme intervienne. Hybrider, c'est effectivement, c'est cette idée qu'on va améliorer les choses à travers l'invention. Je crois que je vois ça comme bon. Alors le mot devient hybride lui-même, si je puis dire, dans la mesure où il se décline dans des domaines, et donc des espèces, qui ne se sont pas véritablement été conçues pour cela. Donc on a le mécanisme de croisement de deux lignées. Hybrida. La deuxième origine, hétérosis. Hétérosis, ça veut dire vigueur. Il y a une vigueur hybride. Il y aurait que lorsque vous hybridez quelque chose, il y aurait une valeur ajoutée. Quelque chose d'exceptionnel. Des degrés, si vous voulez, ce qu'on appellerait l'innovation, la création. Effectivement. Les généticiens, puisque je sais qu'il y en a dans la salle, parlent d'avantage. Il y aurait un avantage à l'hétérosis. Hybrida, hétérosis. Hubris ou hybris. Alors, hubris ou hybris, c'est l'outrance, c'est le Y d'hybridation. Relation avec quoi? Avec la bâtardise, le risque, le conflit. Le contre-nature, à la limite, il s'agit bien de forcer la nature. Et effectivement, d'une manière générale, un bouleversement et un sanctuaire qui est en quelque sorte renversé dans le domaine culturel ou autre. Mais la greffe est-elle, prend-elle? La greffe est aussi associée au rejet. L'ordre et le désordre se répondent et effectivement, s'équilibrent. Donc on a un mot qui est porteur, je crois, d'une très riche signification, mais qui est à trois prix, c'est-à-dire celui du mariage, celui de la vigueur et celui peut-être de l'excès. Pourquoi faut-il les livrer à tout prix? Voilà, donc les limites du cadre du vocable, c'est que, au fond, on n'a pas un espace délimité. On greffe. Pourquoi faut-il greffer? On n'a pas un horizon de partage, on n'a pas un processus, on n'a pas une causalité. On a des effets qui sont des effets pratiques, qui sont des effets pragmatiques, mais il n'y a pas, si vous voulez, une ligne de force. On n'est pas dans une sorte de... Je parle avec mon langage. On n'est pas, en quelque sorte, dans une sorte de modernité renouvelée. On est dans une sorte de réalité paradoxalement créatrice. Alors, pour associer cette revue de mots, et donc je m'en excuse, c'est un simple rappel des significations d'origine, on peut regarder effectivement en quoi les sculptures sont irriguées, en quelque sorte, par l'hybridation. Alors, bon, je fais un petit schéma qui vaut ce qu'il vaut. Il me semble, moi je dirais qu'il y a trois portes d'entrée, macro, méso, micro. Au niveau macro, moi je suis depuis quelques années attentif à une grosse thématique qui s'appelle les humanités numériques. Or, un terme et un schéma d'hybridation, c'est bien celui des humanités numériques. Les humanités, à la fois au sens d'humanité et au sens d'éducation, fabrication de l'humain par l'éducation, l'humanité au sens de humanisme, c'est-à-dire construction d'un socle sur lequel l'humain peut se développer, et d'un autre côté, numérique, qui est, une culture qui est portée par la mathématisation de notre expérience, d'un monde numérique, tout le monde. Je fais une petite remarque, c'est que lorsque l'on parle de l'expérience numérique, on confond, me semble-t-il, le numérique et le fruit de l'hybridation. C'est-à-dire que l'hybridation, ce n'est pas
un élément plus un élément, ce n'est pas la complémentarité de deux éléments, c'est l'élément à valeur ajoutée dont j'ai parlé quelque chose. Donc quand on parle d'humanité numérique, ce n'est pas une sorte de paradoxe ou d'oxymore, c'est uniquement quelque chose qui doit créer quelque chose de vraiment différent. Et là, il y a bien sûr beaucoup de réflexions qui ont été faites, je pense notamment à les discours qui me dérangent un peu, par exemple le discours de Douai, qui dit « Le numérique représente le triomphe de l'hybride, l'hybridation de notre espace habitable, de nos modes de communication, de nos modes de représentation identitaire et nos valeurs partagées, etc. Les héritages sont contestés, souvent fragilisés, et il faut les partager avec des idéaux inspirés en partie par la nature même du numérique. » Alors ce texte, qui, je m'en excuse, mériterait un meilleur sort, nous paraît intéressant parce qu'on a l'idée d'un schéma qu'on est rentré dans une civilisation nouvelle. On est rentré dans un monde nouveau qui est défini par cette hybridation. En quelque sorte, il y aurait un format culturel, puisque nous devons réfléchir sur les cultures, il y aurait un format culturel qui serait imposé par une civilisation où le numérique jouerait le rôle, je dirais, de déclencheur et de création d'un ordre nouveau. Bon, c'est effectivement. Alors, effectivement, tout ceci entraîne les paradoxes, les problématiques que nous connaissons, le reclassement des anciens mondes culturels, etc. Au niveau méso, il y a plein de réflexions qui m'ont intéressé, peut-être d'une dizaine d'années, et qui me paraît intéressant, c'est celui de l'emboîtement des cultures, celui de la réinvention des cultures. C'est-à-dire qu'il faut recréer au sein de la culture numérique ou de numérisation les éléments d'une culture classique. Alors là, il y a plusieurs thèses, ben, vous les connaissez, puisqu'on doit parler d'hybridation des cultures, il faut mettre les enjeux. Soit, effectivement, les pratiques anciennes ont leur valeur et les humanités, je cite Alan Liu, qui est un responsable d'enquête de l'Université San Francisco sur les humanités du numérique. Les nouvelles technologies, rappellent nos anciennes modes de lecture, donc une sorte de continuité culturelle pour lui, et au fond, et deuxièmement, les anciennes cultures restent en quelque sorte le pôle, le socle critique pour juger du monde contemporain. Deuxième scénario, au fond, non, il y a quelque chose de nouveau, il y a un caractère transformateur, créatif, de la transmission, de la réécriture par hybridation. Je pense à Jadré, bien sûr. Différents espaces sociaux vont pouvoir nous aider à recréer la culture. Voilà. Alors, dans ces débats, effectivement, beaucoup de choses sont apparentes. Notamment, il y a un thème qui m'a intéressé à l'époque, c'était ce qu'on appelle la culture de la convergence, où on voit tous les médias mêlés, tous les pôles, si vous voulez, de la vie, tous les systèmes, on va dire, toutes les espèces, entre guillemets, connues, l'Internet, le gaming, la culture, le divertissement, l'économie, tout se retrouve mêlé sur le web. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'études là-dessus, mais c'est un des pôles sur lequel nous butons, notamment sur le plan éducatif, de manière très sérieuse. Voilà. Troisième entrée, micro, c'est ce que j'appellerais la réinvention en mode hybride au quotidien. Bon, là, je crois que nous sommes plus près des actions qui nous concernent. D'ailleurs, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas se tromper de débat. Les débats, là, nous concernent en tant qu'acteurs. Je crois qu'on est sur l'idée d'une expérience qui, en fait, se conduit de manière au quotidien, qui n'est pas guidé par l'hybridation, mais qui est sous mode hybride, ce qui n'est pas tout à fait la même modalité. Alors, je prends deux exemples, je vais aller très vite. Des choses tout le monde connues, la part de l'automatisation et de l'intelligence artificielle dans le travail, en ce moment, il y en a des tonnes là-dessus, je suis pas capable de faire le tri, mais en gros, dans une enquête, qui disait, au fond, tous les enseignants, tous les métiers ne vont pas doser ce qu'on appelle le mode hybride, vont pas doser la part présentielle, par exemple, pour être très simple, et la part à distance. Bon, on va considérer qu'effectivement, la médecine avec le corps, le
corps digital peut effectivement accaparer 40% des actions, les employés dans les tâches de bureau 30%, et les enseignants, d'après vous, d'après ces estimations, combien de travail par hybride, combien de travail à distance, et quelle part, quelle est la proportion dans le travail hybride entre la part à la maison autre. Ça serait quand même que 10 ou 20% maximum. C'est-à-dire que dire que la profession va être transformée par l'hybridation, ce n'est pas forcément sûr. Et il faut peut-être redire ce que j'ai dit tout à l'heure. L'hybridation, ce n'est pas le moment à la maison, le moment en présence. C'est l'organisation de l'ensemble, ce que nous on sait, parce qu'on se les continue, quoi. Alors, je ne parlerai pas, il y a des spécialistes ici de la scolarisation hybride, il y a eu beaucoup d'expériences là-dessus. Donc, par exemple, je vais seulement faire une remarque qui m'intéresse en tant que formateur d'enseignant, puisque j'étais historiquement professeur d'école normale. Vous vous rendez compte, pour une vuage, bon, professeur d'école normale, existe encore. Bon, alors, donc, métier d'élève, métier de professeur, bon... Alors pour être très clair, je prendrai juste un petit exemple, une étude, une expérimentation menée par Anne Cordier, qui montrait en moment Covid, tout le monde a été très attentif et surtout très touché par ça, c'est sûr, qui dirait effectivement que la situation a produit une conscientisation très faible de la reconfiguration des pratiques pédagogiques. J'ai pas exercé mon métier, j'ai renoncé didactiquement, je me suis tenu au communicationnel. On peut dire que l'hybridation n'a pas été un lieu d'optimisation des compétences professionnelles, c'est le moins que l'on puisse dire, tout le monde l'a constaté, s'il y a des objections. Voilà. Alors je pourrais vous parler de beaucoup d'autres expériences. Tout à l'heure j'ai fait allusion au figital, nous avons un corps digital. Je à distance, c'est mon corps digital, j'imagine. Nous sommes dans des modes hybrides. Bon, je trouve ça effectivement intéressant. Et nous tombons maintenant dans une expansion que moi je ne maîtrise pas du tout. Je ne sais pas, je m'intéresse à d'autres, qui est celle de l'intelligence artificielle. Alors je me tournerai vers des impressions de lecture plutôt que des vraies lectures, notamment celle de Yuval Noah Harari, que vous connaissez tous, qui dit effectivement l'intelligence artificielle va maintenant produire ses propres cultures. Elle n'aura plus besoin de reconfigurer les cultures classiques, elle pourra effectivement créer des nouvelles cultures au gré effectivement des demandes que nous ferons. Voilà, alors des questions, beaucoup de questions. Moi je pense que c'est une figure à la fois dangereuse et édulcorée. Dangereuse parce qu'il ne faut pas non plus croire que il n'y a pas une causalité de l'hybridité, si je voulais. On peut dire qu'on est en mode hybride, mais pour moi, il y a le mode hybride et puis il y a l'hybridité en tant que production, action. Qu'est-ce que nous entendons par action, par activité hybride? C'est édulcoré parce qu'effectivement, on voit pas, à force d'en parler, de mettre le vocable associé à toutes les bonnes expériences, ça paraît évident. Alors qu'effectivement, ça paraît quelque chose de beaucoup plus grave. Voilà, donc pour aller vite et laisser la parole à Jean-François, je dirais que ce n'est pas un mot magique, c'est un mot problème, c'est une figure majeure du discours contemporain, il est à la fois reflet et effet de nos problématiques, mais de toute façon, c'est une manière de penser, de penser l'hybridité, de penser quelque chose en mouvement, et penser que nous devons toujours agir avec des inconnus, comme on dit. Agir avec des inconnus. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas, je ne suis pas maître de temps.